Bah non, tu sais, on voit, je pense, bien 60 cm dessous, là, tu sais, sur les systèmes d'ancrage, là, dans le sable, là. Et il est à l'oblique, là, il est à 45 degrés, quoi. Et y a deux vis, il y a deux vis, on est d'accord, hein, sur les supports, là. Et bah, il y en a une qui est bien pliée, quoi. Ah, du coup, j'ai prévenu les gardes nature de la province, là. Et donc, elle m'a dit que ce soir, ils avaient une mission là de contrôle de pêche plutôt, mais qu'ils essaieraient de passer en fin de semaine, vendredi ou samedi, pour tenter de redresser le mât. Donc on arrive à la fin de l'été austral. La semaine dernière, il y a un cyclone qui est passé entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu plus de 500 km de nos côtes, mais malgré tout, il y a eu une forte influence, et notamment sur une grosse houle. Et donc on vient voir aujourd'hui sur ces îlots du Grand Lagon Sud quel a été l'impact sur les sites. Et donc on voit là très bien sur cet îlot, ça illustre bien ce propos, à quel point ça peut être des événements qui sont perturbateurs et qui peuvent être destructeurs pour ces environnements. On voit là ce mât qui s'est fait coucher, on voit le gros talus sur la plage qui a été creusé. C'est incroyable, là il y a moins d'une semaine, il y avait une longue plage de sable. Il y avait peut-être 1 mètre de niveau en plus là qui a été décaissé et qui s'est fait arracher donc par la houle et le passage de ce cyclone. C'est quelque chose qu'on va surveiller pendant l'année parce qu'évidemment c'est un impact sur les nids et la reproduction de ces animaux qui se reproduisent sur ces îlots. Donc ça peut être à la fois les oiseaux marins et évidemment les tortues marines, et donc avec des nids qui peuvent être décaissés, qui peuvent être noyés. Et donc on va essayer de voir aujourd'hui s'il reste des nids, s'il y a des bébés qui vont réussir quand même à sortir, et s'il y en a qui ont été détruits malheureusement. Ça va être problématique, hein, parce que ça veut dire qu'il y a tout ce volume-là de sable supplémentaire. Ça va être compliqué pour les bébés tortues de remonter jusqu'à ce niveau-là. Elles mettent environ 2 jours normalement pour remonter la colonne de sable. Donc peut-être là, elles vont mettre le double. Elles peuvent mettre jusqu'à 4 jours. C'est très impactant pour elles parce qu'elles ont peu d'énergie, elles sont toutes petites, elles n'ont pas à manger encore à ce moment-là. Donc ouais, ça peut être quelque chose qui peut être fatal pour des nids en entier, quoi. Mais ça, on va le noter tout ça. Ouais. Donc on a une première partie pendant décembre-janvier où on vient sur chacun de ces îlots, on va recenser le nombre de pontes, le nombre de tortues qui participent à cette reproduction. Et puis un peu plus tard, à partir de février-mars, on va venir assister à un autre spectacle qui va être l'émergence de ces bébés tortues. Ces informations, en les compilant, vont nous permettre de comprendre un peu mieux comment ce site fonctionne, quels sont les sites qui sont importants, qu'il y a des îlots qui sont plus essentiels en fait à cette population de tortues que d'autres. La finalité, ce sera d'essayer de proposer un éclairage sur comment mieux gérer ce site, quelles sont les actions, quelles sont les zones d'action qui sont prioritaires. Si on a quelques billes en fait et qu'on a envie de protéger les tortues, c'est sur quel îlot que ça se passe et autour de quelles menaces par exemple on peut essayer de mieux protéger ces îlots. Donc là, on a une activité où il y a eu deux cuvettes et qui n'ont pas abouti à une ponte. On a creusé là sous le bois de fer et sous le bois matelot. Et puis elle apparaît ici les 2 fois, donc elle est repartie à l'eau. Elle reviendra peut-être ce soir ou la nuit de prochaine nuit et elle essaiera. Et nous, on va effacer les traces pour ne pas recompter cette même activité la prochaine fois qu'on viendra. Dans cette zone, c'est les tortues grosses têtes qui viennent pondre. C'est une espèce qui, malheureusement, tout va pas bien pour elles. C'est une espèce qui a un statut de conservation qui est extrêmement précaire. Elles sont en danger critique d'extinction dans le Pacifique Sud. On estime que plus de 8 adultes sur 10 a disparu au cours des 50-60 dernières années. Donc c'est vraiment critique. Et en fait, on est sur un site c'est une belle surprise où il y a beaucoup de tortues. C'est encore un de ces rares endroits dans tout le Pacifique où elles viennent se reproduire.
Donc il y a cette responsabilité, il y a cette chance et cette responsabilité de devoir aussi gérer ce site. Donc les tortues, comme chez toutes les espèces de reptiles, on a la détermination du sexe qui est faite en fonction de la température dans le sable. Donc c'est pendant l'incubation que, en fonction de la température, les œufs vont donner plutôt des femelles ou plutôt des mâles. Plus il fait chaud, plus on va avoir des femelles. Et donc dans un contexte de réchauffement climatique mondialisé, eh bien, on observe des augmentations de température forcément. Et donc on observe un déséquilibre avec de plus en plus de femelles dans les populations. C'était une hypothèse qu'on avait, qu'il aurait pu faire plus frais grâce à ce sable-là. Mais on ne pensait pas du tout à trouver des chiffres comme ça. Là, on est au-delà de quasiment 50-50 à l'équilibre entre le nombre de mâles et de femelles. Donc c'est super encourageant. Ça représente certainement un potentiel de survie pour cette espèce en Calédonie. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir aussi s'appuyer pour donner des recommandations de gestion fortes de ce site. Alors là, on va essayer d'assister à un spectacle qui est fabuleux, qui est l'émergence des nids. Donc les œufs ont passé 2 mois dans le sable, les bébés de tortues sont développés et donc à peu près 60 jours plus tard, ils vont sortir des nids et retourner à la mer. Le matin, là, on va faire ce tour tout au long de l'îlot, on va essayer de repérer les traces de ces bébés qui seraient retournés à l'eau. Et puis bah, si on a la chance d'en croiser, on va pouvoir étudier le nid derrière, faire en sorte de s'assurer que tous les bébés sont bien repartis à l'eau. Voilà. Donc ce matin, on est allé voir les émergences de bébés tortues. Pour ça, on essaie de repérer les traces de bébés qui sont sortis des nids et qui ont rejoint la mer. En remontant ces traces, on arrive à retrouver les nids. Et on était un peu étonnés parce qu'il y avait peu de traces. Normalement, c'est une centaine de bébés qui sortent du sable. Là, il n'y en avait que quelques-unes à chaque fois. On en a trouvé 2. Et donc, en creusant le nid pour en savoir plus, on s'est rendu compte qu'il y avait la grande majorité des bébés qui avaient été restés coincés dans le sable. Et donc là, on a touché vraiment du doigt l'impact que pouvait avoir le cyclone tropical qui est passé sur la Calédonie la semaine dernière. Donc en fait, à l'échelle de l'îlot, il y a certains secteurs qui ont été érodés, il y a une grosse partie du sable qui est partie. Et sur d'autres secteurs, mais en fait, c'est ce sable qui a été redistribué et qui est venu se déposer. Donc là, il y a une couche de 20 à 30 cm de sable à peu près, et qui a en fait constitué une difficulté, une étape supplémentaire pour les bébés tortues à sortir, et donc qui a en fait empêché cette émergence naturelle. Malheureusement, ces bébés, on les a retrouvés morts dans les nids en grande partie. On a quand même pu en sauver quelques-uns ce matin. Et c'était sympa de les voir rejoindre la mer et commencer leur vie de tortue marine. A priori, on devrait les revoir d'ici 30 ans sur cette plage, qui vont revenir se reproduire et pondre. Donc ça a été un rendez-vous pris pour l'avenir, voilà. Donc on raconte que ces îlots, grâce à cette température qui est plus fraîche, a un potentiel de résilience pour les populations de tortues en Calédonie. Mais il y a évidemment l'autre volet du réchauffement climatique qui est l'élévation du niveau des mers et cette augmentation des tempêtes et des cyclones. Et donc là, autre problématique, puisque c'est des sites, c'est des milieux qui sont plus sensibles à ces tempêtes et à ce phénomène-là. On le voit beaucoup à travers des phénomènes d'érosion. On travaille notamment avec Myriam Vendée-Leclerc de l'Observatoire du littoral de Calédonie qui nous aide à suivre l'évolution de ces îlots-là, leur morphologie, comment ils évoluent, c'est des systèmes qui sont très dynamiques finalement. On voit certains secteurs qui sont en érosion, d'autres qui vont commencer à croître en accrétion. Et donc grâce à ces suivis-là, on arrive aussi à mieux comprendre comment évolue l'habitat et comment cet habitat influence la répartition et la fréquentation des tortues.
d'une saison à l'autre, au sein d'une même saison, en fonction des passages des différents cyclones, des différentes dépressions, on a quand même des transformations qui peuvent être radicales hein, du profil de ces îlots. Ils peuvent vraiment changer assez rapidement et assez profondément. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la distribution des tortues. On peut avoir des îlots qui sont très fréquentés pendant un certain nombre d'années et puis qui soudainement vont se retrouver tellement réduits qu'ils ne sont plus du tout optimales pour ces activités de ponte. Donc elles vont se déplacer, elles vont avoir cette capacité d'aller chercher un autre site qui va mieux leur convenir. Finalement, on se rend compte aussi de la fragilité, de la vulnérabilité là, de ces milieux-là. À travers notre travail et la symbolique de la tortue, finalement, c'est tout l'écosystème qu'on va essayer de préserver. La tortue, on dit que c'est une espèce parapluie qui, à travers sa protection, on va permettre de protéger toute la cohorte biologique qui vit avec elle sur ces îlots. C'est des milieux qui sont incroyables, qui sont riches, qui sont des joyaux. C'est des oiseaux, c'est des serpents, c'est des crabes, c'est des poissons, c'est des tortues. Et tout cet univers-là, finalement, arrive à cohabiter d'une façon remarquable. Chacun va se répartir l'habitat. Il y en a qui vont nicher sur les plages, d'autres dans les arbres, avec des successions dans le temps également. Cet équilibre naturel, il est incroyable à observer au quotidien. C'est lui qui nous motive voilà, à vouloir aller protéger aujourd'hui les tortues, mais derrière, c'est cet univers de l'îlot.